المشاركة في كل عمل جمعوي وكل عمل تطوعي خدمة للمواطنين في هذه الجهة كلما تسعتها الظروف. فتفضل سنة بالموسى من أجل تقديم عرضها حول دور الكفاءات النسائية بين المعيقات والآفاق المستقبلية. À la fin,
voyage qui est insisté à se dépendre pour trois plus de crédit à la profession dans un secteur bancaire qui cherche la rentabilité immédiate et ne veut courir aucun risque. Il privilégie les crédits à la consommation, 80% des crédits octroyés par des banques sont à la consommation, au détriment de ceux à l'investissement capable de générer une grande croissance. À titre comparatif, ces taux sont inversés dans les pays développés. Pour ne citer que la France, 80% des crédits sont à la production et un taux beaucoup moins onéreux que le taux national. La deuxième contrainte, et c'est la plus importante, car le sous-développement a souvent des racines culturelles. C'est la mentalité africaine de la société marocaine qui fait d'elle une société patriarcale dans laquelle la femme reste à la merci de l'homme. Action et décision. La situation de la femme fait que son rôle se condamne dans les travaux ménagers ou la cuisine ou pour assurer la continuité. Enfant et privé de sa scolarité, soit par principe, soit parce qu'il peut être source de revenus pour ses parents. Et même la vie quand elle va à l'école, c'est juste en attendant d'arriver d'un mari qui lui interdira de terminer ses études et de travailler et donc finit par entraver sa participation dans la vie active ou dans une association. La quatrième contrainte, la non-conformité des diplômes aux exigences du marché du travail. Les diplômés des universités marocaines souffrent d'une difficulté d'embauche parce que le corps enseignant les a peu ou pas sensibilisés à quatre facteurs. Le premier facteur, l'importance des stages. Le deuxième facteur, l'importance du numérique et spécialement de l'outil informatique. Troisièmement, l'importance de la maîtrise des langues étrangères, du français et l'anglais. Et quatrième facteur, l'importance d'une personnalité épanouie, confiance en soi, esprit et ouverture à l'art et à la vie. La cinquième contrainte, c'est l'importance du secteur informel pour lequel les aides octroyées sont limitées et les crédits bancaires quasi absents, même si la politique de l'initiative royale du développement humain a commencé à pallier un peu à ce côté informel de notre économie. Ces obstacles ne sont pas là après tout le pays marocain, et là je ferai un petit aperçu sur la spécificité du sujet économique de notre cher Louis Fès. La ville de Fès est riche. Sa région, qui est connue pour être une grande zone agricole, mais la femme participe parfois à côté d'une maîtresse de maison dans les champs et dans les mailles. Mais dans les villes, elle participe au tissu économique, soit en tant qu'entrepreneuse, mais c'est vraiment limité, soit comme commerçante, soit comme salariée dans les usines particulières de confection dans un secteur dans lequel depuis quelques années à cause de la concurrence. Soit comme aide dans les maisons du manque d'accessibilisation, c'est-à-dire en forme de ménage. Donc, ceci rend la construction limitée et non généraliste de grands valeurs jeunes, et surtout son épanouissement faible et sa compétence citoyenne quasi absente. À ce propos, on se réjouit de la première.
تدخل